Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose l'essai de la Triumph Street Triple 765 RS 2020. Elle est light. Hein. Elle est vraiment light. Elle se manie, mais c'est incroyable. Ils ont oublié de mettre le moteur dedans ou. Je sais pas. C'est vraiment léger. Allez, c'est parti, je monte dessus. Donc il y a un qui change hein, par rapport à l'ancienne au niveau des côtes, c'est tout pareil. Hein. Donc là je suis avec le dos droit, je suis à ouais, moins de, on va dire une petite dizaine de centimètres des poignets. Hop, je m'incline légèrement en avant pour choper le guidon. Mes jambes sont légèrement tendues avec les pieds à plat de chaque côté. Voilà, j'ai pas les jambes tout à fait tendues mais très légèrement incliné. Voilà, une selle assez fine entre les jambes. Un réservoir aussi fait entre les jambes. Quand je mets les pieds sur le repose-pied, bah les cale-pieds sont assez hauts. Donc voilà, faut lever la patte. Mais bon, c'est pas non plus comme ça à ne plus respirer. Hein. Allez, c'est parti, je vais vous la démarrer. Je vais attendre un petit peu qu'elle chauffe avant de mettre quelques coups de gaz. Allez, ça y est, elle est à température. Oh, ça fait plaisir, hein, ce petit moteur là. Bon, allez, première. Pas de secousse. Et j'ai une question qui me brûle les lèvres, qui, je l'espère, va être positive. Alors il y a plusieurs niveaux de conduite. Là j'ai mis Rod pour commencer. Alors le levier de frein est un petit peu loin. Et je sais qu'il y a plein de réglages sur ce levier. Ah ouais. Voilà. Ah ouais, là tout de suite, c'est beaucoup mieux. C'est dingue comme je la sens posée au sol cette moto. Je la sens vraiment bien posée au sol. On dirait qu'elle est imperturbable. Incroyable. À chaque fois que je monte sur une Street Triple, enfin les récentes en tout cas parce que je connais pas les anciennes, c'est incroyable cette sensation de d'invulnérabilité quoi. Je ne suis qu'en road, j'ai même pas tiré et déjà ça me donne des bonnes petites sensations. Il y a toujours cette ronde. Oh le frein! Oh purée, je m'attendais pas à ce qu'il freine d'un coup comme ça. J'allais dire, il y a toujours cette rondeur moteur. Je vais voir un peu. Ouf, ah ouais, à peine je le touche. Ah là, on peut pas dire que ce soit un frein très progressif. Hein. Il est attaquant le frein. Oh la vache! Voir un peu. Hop là. Ouh. Oh, ça a délesté l'arrière instantanément. Hop. Oh, il freine. Il freine. Oh la vache. Alors vous allez me dire, oui, c'est normal. Oui, non, là, il freine. Il est très, très agressif. Et d'ailleurs, pour la petite info, en mode track, apparemment, il n'y a plus l'ABS et le traction control qui s'enlèvent. Il reste en fonction. Et j'ai envie de dire vu le freinage comment il pince fort, et ben c'est pas une mauvaise nouvelle. Alors la question du jour, c'est est-ce que la plage moteur a changé par rapport à l'ancienne? Ça c'est une bonne question. Alors il y a le shifter up and down sur cette moto. Et eh ben, il est assez, j'ai envie de dire raide. Il manque de confort. Alors, pour tomber les rapports, ça va. Et pour les monter, j'ai l'impression qu'il n'y est pas le shifter, tu sais. Alors, je suis sur quel rapport là? Quatrième. Ah oui, 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 je dis oui.
Oh là là, mais quelle aisance dans le virage! Quelle grâce! Oh là là! Enfin, je mets un coup de gaz, mais j'ai le shifter down, hein, donc. Donc en fait, je suis pas censé mettre le coup de gaz. Oh là 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 là, mais cette moto! Mais c'est une mélodie! Un plaisir, une machine à sensation! Sans pour autant trop dépasser les limites, tu vois? Sans pour autant vraiment. Rouler à 200 comme les sportives, c'est un plaisir. Regarde, hop, là je prends le virage. C'est juste le plaisir, voilà, de passer les rapports, d'enrouler. Waouh. Elle se pose, elle bronche plus. Excellente, excellente. Mais tu sens que vraiment elle est racée, quoi. Elle est typée course. Le shifter, comme je te dis, quand tu montes, il manque un peu de confort. Tu sais, comme si tu passais la vitesse de force. Bon, attention, hein, j'en rajoute. Hein. Mais là, tu vois, wow, elle est posée. J'enchaîne les petites courbes. Elle est collée. Les pneus qu'il y a dessus me mettent en confiance. La partie cycle, monstrueuse. Monstrueuse. Mais ça, c'est comme toujours, ça. Rien, ça. Oh là là, énorme. Alors, pour la petite anecdote, pour ceux qui n'ont pas vu l'essai, la Street Triple 765 RS de 2019, je l'avais pas forcément aimé. J'avais préféré la Street Triple R 2019 parce que la plage moteur était plus exploitable sur la R que la RS. La RS, tu vois, là, on vient de passer les gorges d'Oulioul. Ben, les gorges d'Oulioul, j'étais en deux. Une fois j'ai passé la troisième sur 30 mètres et j'ai passé deux fois la première vitesse. Ce qui sur une route semi-sinueuse quand même, passer en première, c'est assez rare avec n'importe quelle moto. Déjà en deux, c'est moyen. Donc je trouvais que la plage moteur était trop grande, que la gouache venait, enfin que la performance venait dans les hauts régimes. Donc t'avais le cul entre deux chaises. Soit tu repartais difficilement parce que tu avais vraiment une mi-régime mollassonne. Et donc pour tirer dans les tours, fallait aller vite, mais fallait être dans les rapports bas. Donc c'était très compliqué d'exploiter la RS à mon goût en tout cas. Pour ceux qui roulaient aux limitations, il n'y avait pas de problème. Ça donnait un moteur rond. D'ailleurs, pour la petite histoire, j'ai conseillé quelqu'un, enfin sur Facebook, ben, vous me contactez, ouais, de plus en plus nombreux. Et la personne qui m'a contacté avait un dilemme. Il voulait soit partir sur la Speed Twin, la grosse là. Il voulait soit partir sur la Speed Twin, soit sur la Street Triple RS 765. Le souci, c'est que c'est pas du tout les mêmes motos. Donc, 60 ans, balade, trajet travail, un petit peu de duo mais sans plus. Voilà, je me suis dit... en plus, rythme tranquille, tout ça. Je me suis dit, Speed Twin. Il a essayé la Speed Twin. Il m'a dit, ah, écoute, dans les bouchons, l'injection, ça va pas. Elle me donne des à-coups. Voilà, bon, ça lui a pas plu. Entre autres, hein, ça lui a pas plu. Il a essayé la Street Triple 765 RS 2019. Et là, la révélation. Un moteur rond, agréable, du couple. Oui, parce que oui, elle a quand même du couple. Hein. Attention, hein, c'est pas un veau non plus. Hein. C'était juste que, voilà, comme je disais, pour rouler en se faisant plaisir, comme là ce que je viens de faire, ben, fallait tirer dans les régimes. Et donc les hauts régimes voulaient dire basse vitesse. Donc blocage de roue plus facile, enfin plus compliqué pour repartir aussi quand tu es en deux ou en une. C'est un peu plus compliqué. Voilà. Donc je trouve que celle-ci, si on n'avait pas demandé sur quelle moto je roulais, je t'aurais dit, voilà, ouais, je suis sur la R. Sans problème. Mais alors sans problème. Là, j'étais en 3, 4, sans souci. Et je l'exploitais correctement. J'avais du couple sans trop la tirer. J'avais vraiment de la patate qui arrivait assez tôt, quoi. Là, je suis quoi? Là, je suis en 4e. 4800 tours, 4900. Attention, poignée dans l'angle. Ah ouais, ouais, non, mais elle est vraiment sympathique. Hein. Là, c'est bien reparti. Il aurait fallu faire l'essai de l'ancienne contre la nouvelle. Donc c'est aussi pour ça qu'au catalogue, la Street Triple 765R disparaît.
c'est parce que il est possible qu'elle ne serve plus à rien dans le catalogue, entre guillemets, hein, attention. Et donc la 765 RS, peut-être qu'elle allie les deux, donc il n'y a plus besoin d'avoir une gamme de trois motos. En 2020, il y a la S et la RS. Voilà, c'est tout. Alors c'est vrai que vous allez me dire, la R était moins chère que la RS. Ok, je veux bien, attention, je veux bien. C'est vrai que là, il te pousse à prendre la RS, puisque la S, c'est l'entrée de gamme de la 765. Enfin, entrée de gamme. Chez Triumph, en tout cas. On n'est pas sûr de la DOB non plus. Hein. Position, j'adore, parce que t'es toujours sur de la semi-attaque, tu vois. T'es penché en avant, mais c'est pas une position qui te casse en deux non plus, quoi. Il y a du confort quand même. Alors là, je suis en mode sport. Elle veut pas passer en mode track, je sais pas pourquoi. Elle me le propose pas. Il est en clair, en fait. Je peux pas sélectionner le mode track, je sais pas pourquoi. Peut-être qu'il faut le faire à l'arrêt ou quoi. On va voir ça de suite. Hop, allez, mode. Ah, à chaque fois j'enclenche les clignotants. Oui. Ça y est, je suis en track. Ah, bon, ok. Ouais, c'est vrai que je confonds clignot et les petits joysticks de sélection. Allez, c'est reparti. Donc là, je suis en track. Hein. Track. Mode circuit, quoi. Hop, je me déhanche un petit peu. Dose de plaisir, c'est incroyable. J'ai pris la même route hein, sur l'essai de l'autre RS. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Vous avez vu le petit enchaînement de virage là? C'était énorme. J'ai pris un plaisir fou. C'est un scalpel cette moto. C'est un scalpel. Ah ouais. Waouh. Elle est tellement, je sais pas, mais rivée au sol. On dirait que il y a un rail au sol, tu vois. Et elle est là, waouh. Elle passe, mais tu te dis, mais comment? Pourquoi? Une machine à sensation. Une machine à sensation. Et depuis qu'elle a gagné en couple, eh ben franchement, c'est le roadster parfait. Franchement, incroyable. Mais c'est vrai que la dose de plaisir que j'ai à son guidon, ça me l'a fait sur la Street Triple R, sur la Street Triple S, la 660S. Je veux dire, pour l'instant, il n'y a que ces motos-là qui m'apportent un bonheur jouissif. La seule qui m'a apporté ce bonheur-là, ça a été la S1000 RR 2020. Quand j'ai essayé pour la première fois, parce que j'ai essayé deux fois, bref. Et voilà, c'est. Je sais pas pourquoi, c'est sur ces motos-là que j'ai la chair de poule, tu vois. C'est incroyable. Il y a une osmose qui se fait avec la moto, c'est dingue ça. C'est dingue. Je le retrouve très peu, ce comportement, cette sensation, je la retrouve très très peu, sur très peu de machines. C'est pour ça que, pour ceux qui hésitent, tout ça, n'hésitez pas à essayer de toute façon les motos. Et n'hésitez pas à essayer les Triumphs pour voir de quoi je parle, tu vois. Si vous ressentez la même chose en tout cas, parce que les ressentis sont différents en fonction de chaque pilote, hein, évidemment. En conso, là je suis à 6 litres 4. Quand je suis parti, j'étais à 6 litres 3. Et là je suis à 6 litres 4. Donc bon, c'est pas non plus une grosse conso, quoi. Hein. Par rapport à la cylindrée et le régime moteur, je suis assez conquis. Vraiment conquis en plus. Et ce shifter.
C'est reparti. On va chatouiller un petit peu ici, voir ce que ça donne. Allez, poignée dans l'angle. On a une voie vraiment précise. Hein. Oh là là, c'est incroyable. Le shifter est radical. Aïe aïe aïe. Oh là 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 là, comme elle chante. C'est incroyable. Et heureusement qu'il y a le traction control. Hein. Je le vois s'allumer très souvent. Aïe aïe aïe. Incroyable. Une balle. Putain, le shifter. Autant celui des BM je l'aime pas. Mais alors lui. Oh là 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 là. Incroyablement efficace. Incroyablement efficace. Ça sur circuit. Ça. Je veux même pas imaginer. Le mec qui me dit j'ai une Street Triple RS, c'est bon, laisse tomber. Déjà l'ancienne, je laisse tomber. Mais alors la nouvelle, je laisse doublement tomber quoi. Incroyable. Incroyable. Rivée au sol, rassurante. Tu gardes tes courbes, tes trajectoires. Enfin, c'est une moto de course en fait, avec un guidon droit. Hein. Mais avec du confort. Tu vois, les suspensions, depuis le début, je me prends rien dans le dos. Ça filtre extrêmement bien. Pourtant, c'est assez radical hein, comme partie cycle. Hein. Et surtout cette chanson, écoute. Oh là 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 là. C'est tellement beau. C'est une sirène. Elle t'envoûte. Et elle t'attire dans les méandres de la force noire. Le côté obscur. Incroyable. Incroyable. Qu'est-ce que j'aime cette moto. C'est dingue. Ah d'accord, ils t'ont fait la décoration. Alors ça c'est nouveau, hein, messieurs, dames. Ça, c'était pas peint il y a une semaine. Hein. Ils t'ont fait... Ça pousse au vis, hein, les gars. Ça pousse au vis. Hein. Notre région, en plus, à chaque virage, tu pourrais mettre du blanc et rouge. Vraiment ça. Oh là là. Aïe. Ah, je suis amoureux, mais je suis red dingue. Comment dire du mal d'une moto comme ça? Si, tu pourrais en dire du mal en disant, ben voilà, si jamais t'es un petit peu tatillon, tu roules fort, c'est pas bien, ok, blablabla, mauvais motard, je suis d'accord. Mais hormis le fait qu'elle pousse au vis, enfin, qu'elle pousse au vis, que ceux qui sont susceptibles d'être poussés, hein, parce que tu peux rouler aux limitations, hein, sans problème. Hein. T'as un moteur très rond qui repart très bas, t'as du couple à tous les niveaux. Après, t'as la performance qui arrive un peu plus haut, évidemment. Mais si tu ne cherches pas la performance et rouler aux limitations, il n'y a aucun problème. Mais voilà, à part ça, pour quelqu'un qui cherche une moto pétillante, ben, c'est maniable, c'est rivé au sol. Hein. C'est maniable. Il faut utiliser un peu de contrebraquage, hein, forcément. On a une partie cycle assez rigide. Mais quand même, pour une partie cycle rigide, c'est un vélo. Je sais que vous en avez marre de cette expression, mais c'est un vélo quoi. Attends, c'est incroyablement léger et efficace à emmener. Ah non mais c'est. Pff, c'est dingue quoi. C'est dingue, vraiment ça. Hop, hop, je me jette. Hop, je me jette de l'autre côté. No problemo, bro. Ah non, mais c'est incroyable. J'adore. Ah, vous allez en avoir marre que je dise comme ça que j'adore tout le temps. Mais à part la susceptibilité de perdre ton permis, qu'est-ce que tu veux dire de mal sur cette moto? Qu'est-ce que tu veux dire? Maintenant, l'esthétique a changé avec ses phares. Vous avez vu ses phares? Elle est vénère, cette moto. Déjà, t'es pas monté dessus, déjà. Tu dis, oh là là, celle-là, il va se passer des mauvaises choses sur la route. C'est ça, tu vois, tu la vois, elle est vénère, les sourcils froncés comme ça. Tu fais... Ouh. J'ai intérêt à être au level. Non mais honnêtement en fait t'as même pas besoin d'être au level. La partie cycle fait tout pour toi en fait. Réellement.
réellement. Toi, tu n'as qu'à gérer le contrebraquage, la guidée, elle fait le reste. Franchement, l'électronique est hyper efficace, le traction control, je le sens. Quand il intervient, ouf, je le sens, il te dit attention, attends. T'as pas le niveau pour aller plus haut, mon petit gars. Donc j'interviens, et comme je suis une moto typée race, quand même, il y a de la franchise. Hein. C'est vrai que sur la Tourneau V4, il y avait un petit peu plus de douceur dans l'interaction, enfin dans l'intervention de l'électronique, il y avait un peu plus de douceur au niveau de la V4. La Tourneau V4. Malgré qu'elle soit plus puissante hein, quand même. Hein, il y avait plus de rondeur au niveau de l'électronique. Là, shifter, traction control, c'est franc quoi. C'est du franco. On plaisante pas. Oh là là. Là, je touche même pas les freins. Il n'y a pas un énorme frein moteur. Mais je vais te dire... limite... c'est limite, on s'en fout, quoi. Ah, c'est dingue. Elle rentre tellement franco dans les virages que t'as pas besoin d'agripper les freins, t'as pas besoin d'avoir un gros frein moteur. Parce qu'elle rentre dans les virages, mais... Elle a une entrée en courbe, cette moto. C'est au-delà de ce qu'on peut imaginer, quoi. J'en dis peut-être un peu trop, hein. J'en fais des caisses, peut-être, en vous disant tout ça. Mais honnêtement, les propriétaires, vous savez que j'en fais pas des caisses, quoi. Vous le savez. C'est voilà, Street Triple RS, quoi. Voilà. Là, ça, c'est ce que je voulais sur l'ancienne. C'est cette plage moteur-là que je voulais. Voilà. C'est bon. Je l'ai. Merci. Je peux pas me la payer. Dommage. Tu vas chercher ton virage et elle fait le reste. Tu mets ton casque là où tu veux aller. Oh purée, trop bien. Oh putain, mais c'est pas vrai ça. Pourquoi j'ai cette sensation sur cette moto là? Bon allez, on enlève le bulldog. Et on roule aux limitations. Voir ce que ça donne un peu. Sixième. Alors, je vais mettre le régime électronique, enfin en numérique comme ça. 2800 tours, poignée dans l'angle. Hop, je suis à 4500 tours minute. Alors j'ai dit que je restais aux limitations, je suis déjà à 4... Ah bah 100 en fait. Elle passe d'un virage à un autre. Mais en fait, t'as envie qu'il y ait que de la succession de virages tellement elle t'accompagne, elle te berce, tu sais. Comme si t'étais un petit bébé, elle te berce au changement d'angle. En fait, déjà sur cette moto, t'as même pas besoin de rouler vite pour prendre du plaisir. Juste le fait de passer d'un virage à un autre, de t'inscrire dans le virage sans freiner, c'est déjà un gros plaisir. À dire qu'après, je remonte sur mon ER6. Oh la dépression. Oh mince alors. Oh non. Oh c'est dingue ça. Je vais pas la rendre. Hein. C'est pas possible. Je vais plaider le bug de caméra. Ah moi ça. Je ne touche même pas les freins. C'est dingue, ça doit être la moto avec laquelle je touche le moins les freins. Putain, la limitation, bordel. Voilà, j'ai dit que je restais aux limitations, juste pour voir ce que ça faisait. Bon, outre le fait que c'est très dur, je touche pas les freins, c'est dingue. Et c'est ça qu'il n'y a pas un énorme frein moteur. Hein. S'il y avait un plus gros frein moteur, en fait, tu aurais tes plaquettes tout le temps neuves. En fait, elle te met tellement confiance, cette moto, que... Bah qu'en fait, tu touches très peu les freins. Hein. Regarde, je suis sûr que là, dans le double droite, tout le monde touche les freins. Regarde là. Je touche pas. Ah bah non, je touche toujours pas. Bon, je suis à des vitesses basses, hein, je suis d'accord. Si j'arrivais plus fort, j'aurais dû toucher le frein. Mais quand même, même en vitesse basse, très souvent, avec les motos dites classiques, tu touches le frein, quoi. Juste au moins l'arrière pour l'accompagner, quoi. À un moment donné, il faut clôturer cette vidéo, hein, parce que c'est bien beau, je prends énormément de plaisir. J'espère que vous avez compris un petit peu de quoi je parlais. La nouvelle plage moteur, vous l'avez compris, je kiffe le moteur comme il est fait. Voilà, pour moi, c'est ça, un vrai roster sportif, c'est ça. Un roster où tu peux faire des bornes
sans être cassé en deux, tout en ayant une position d'attaque, un moteur pas exigeant, voilà, un moteur souple qui va pouvoir repartir avec de l'onctuosité, avec de la performance plus haut. C'est une moto qui me met le sourire tout le temps. Voilà, Triumph. Mais sortez une moto tous les mois, les gars. Sortez une moto tous les mois. Que ça me fasse plaisir chaque mois. Ah non, c'est un régal. J'en ai marre de vous gaver avec ça. Mais c'est un régal pour de vrai, quoi. Pour de vrai. Essayez cette moto. Essayez-la. Vous comprendrez de quoi je parle. Voilà. Bon, un grand merci à Road Spirit Ulule pour m'avoir prêté ce bolide. Ce bolide indulgent. Bon, mais je vous dis à la prochaine. Déjà que cette vidéo doit être un petit peu longue. Hop. J'ai évidemment pas envie de la rendre, cette moto. Là, je suis trop bien. Le temps est magnifique. La moto chante ce qu'il faut. C'est excellent, quoi. Excellent. Là, je passe un super moment depuis le début. J'appréhendais un petit peu l'essai de cette moto, mais oh, je vois qu'il n'y a pas besoin, quoi. Ah ouais, je vois qu'il n'y a pas besoin. C'est un régal. Bon, voilà. Je vous ai tout dit. Vous savez tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ah, là, sur le Dodan, un petit peu de fermeté au niveau des suspensions. Ben quand même. Ah oui. On ne peut pas avoir non plus un confort de GS. Mais sur les petites contraintes de la route, franchement, vous allez voir. Les plaques et tout. Oui, si, si, si. C'est raide. Ouais. Ouais. Oui, c'est raide. Alors, c'est des suspensions réglables. Mais moi, j'ai pas senti beaucoup d'inconfort tout au long de l'essai. C'est juste là parce que j'y fais attention que je sens. Mais après, bon, c'est des motos. Enfin, c'est une moto type race. Hein. Donc, faut pas s'attendre à un confort de GS. Hein. Voilà. J'espère vous avoir tout dit. Il n'y a rien d'autre à rajouter. J'ai pas envie de finir cette vidéo, hein, comme très souvent d'ailleurs. Je vous dis à la prochaine pour un autre essai. Si tu es nouveau sur la chaîne, bienvenue. Les anciens, toujours un grand merci d'être toujours présent, de mettre des commentaires divers et variés, mais surtout construits sur vos avis. J'adore. Même si j'y réponds pas, je les lis quand même. Mais je m'attelle à la tâche d'y répondre. Voilà. Encore merci à Triumph Ulule. Ils sont au top du top à chaque fois. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao tout le monde!